Alors, nous sommes accueillis au campus Forêt-Bois de l'INRA à Cestas-Pierrotont pour la parution de l'ouvrage Forêt d'hier et de demain, 50 ans de recherche en Aquitaine, publié aux presses universitaires de Bordeaux. J'accueille les trois auteurs qui ont coordonné cet ouvrage. Michel Arbez, qui est ancien directeur de la station de recherche de Pierrotont, spécialiste de génétique, de sélection et conservation des arbres. Jean-Michel Carnu, ancien directeur de l'unité de recherche forestière de Pierrotont, qui est spécialiste de gestion durable des forêts, et Antoine Crémer, directeur de recherche en biologie évolutive des arbres, directeur du LABEX Côte et lauréat du prix Wallenberg. Michel Arbez, cet ouvrage traite de 50 ans de recherche en Aquitaine. Quels sont les moments et les événements structurants qui ont fait émerger les questions de recherche ? Donc l'histoire commence en 1950, immédiatement après les grands incendies de 1949. Donc l'histoire commence avec le pin maritime et les Landes de Gascogne. Sur cette espèce, il y a l'effet de la révolution verte en agriculture qui va déteindre en quelque sorte sur le modèle sylvicole en intégrant la fertilisation, le travail du sol et les variétés sélectionnées. Première révolution. Dans les années 70, avec la montée des mouvements écologiques en Europe, on voit une critique, quelquefois assez féroce, des reboisements résineux et un appel à la diversification des espèces. Et donc c'est là où on va voir apparaître à Pierrotont les chênes. D'abord le chêne rouge d'Amérique, puis ensuite les grands chênes indigènes. En 80, apparaissent en forêt l'émergence des méthodes d'analyse du génome héritées de la médecine, c'est-à-dire, les isozymes, les protéines, les ADN, qui vont permettre d'aller assez loin dans l'histoire génétique des espèces et la discrimination entre les variétés. Et en même temps, les techniques de télédétection qui vont permettre de voir la forêt de haut et de bien imaginer son évolution ensuite. Alors, en 85, ce sont les grands froids qui vont détruire, des surfaces importantes de pins maritimes constituées avec des races ibériques et qui vont mettre l'accent quand même sur la fragilité de cette forêt monospécifique. 99-2009, tout le monde se souvient, des tempêtes décennale, Martin et Klaus qui ont infligé des dégâts considérables à la forêt, qui ont désorganisé provisoirement la filière et qui ont amené là aussi à se poser des questions sur la meilleure façon, de poursuivre le schéma landais. Forêt d'hier et de demain, c'est aussi l'histoire des hommes, des femmes, des organisations qui ont forgé cette forêt. Jean-Michel Carnus, est-ce que vous pouvez nous dire dans cet ouvrage comment sont évoqués ces aspects-là ? Alors effectivement, les hommes et les femmes sont déterminants dans cet ouvrage. Alors, ils apparaissent fortement au début de l'ouvrage, peut-être un peu moins au cours des différents chapitres. Et ils ont joué un rôle absolument fondamental dans l'évolution et dans le développement des forêts, notamment dans la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'exemple emblématique du massif des Landes de Gascogne, qui est éminemment une construction humaine, construction également politique, puisque c'était des grandes politiques d'aménagement qui ont donné naissance à cette forêt au XIXe siècle. Et les organisations sont développées autour de ce massif, des organisations professionnelles, des acteurs économiques et des usages multiples de la forêt, depuis la forêt de protection sur les dunes jusqu'aux forêts industrielles pourvoyeuses de matières premières pour une industrie qui est emblématique non seulement au niveau régional mais également au niveau national et au niveau européen. Alors on retrouve ça en filigrane dans l'ouvrage, dans les différents chapitres, avec à la fois les métiers traditionnels liés aux forêts en Aquitaine, jusqu'au développement plus récent finalement des sciences humaines et sociales qui s'intéressent à cet objet. Alors on appelle ça des socio-écosystèmes, donc croisement de l'écologie et de la sociologie. Et on trouve un chapitre particulier qui s'appelle Forêt et société, au-delà des arbres, les hommes. Donc qui est en filigrane et qu'on retrouve dans la dernière partie de l'ouvrage. À la lecture de l'ouvrage, on est frappé de l'évolution considérable des outils d'observation
et de recherche qui sont mobilisés durant la période des 50 dernières années. Alors Antoine Kremer, est-ce que vous pouvez nous retracer cette évolution de ces outils d'observation ? Bon, effectivement, les recherches forestières ont bénéficié de manière générale des acquis et des développements dans d'autres domaines qui étaient plus en pointe, notamment le domaine médical pour la biologie moléculaire, mais également le domaine aéronautique et spatial pour l'observation de la planète et de la Terre. Mais au-delà de l'avancée des techniques dans d'autres domaines, il faut savoir aussi que les forêts sont devenues des objets de recherche totalement originaux et nouveaux. On peut citer à témoin de cela le fait que les forêts ont fait l'objet, les sujets forestiers, les questions forestières, ont fait l'objet de couvertures de Science à trois reprises autour des cinq dernières années. Donc cela démontre que les forêts sont devenues des sujets d'études parce qu'ils sont au centre d'enjeux scientifiques et écologiques considérables, notamment par exemple pour la question des changements climatiques, des gaz à effet de serre. Il faut mesurer le bilan de carbone à l'échelle d'écosystèmes entiers. Cela fait l'objet de la mise en place de tours d'observation et de mesures à grande échelle dans des forêts non seulement dans le sud-ouest, mais dans l'ensemble de la France. En biologie évolutive, on peut citer le fait que les forêts, les arbres sont devenus des objets d'études qui permettent de retracer le passé plus que d'autres espèces, parce qu'elles étaient là en nombre au cours du passé et ont laissé des traces fossiles. Et aujourd'hui, on peut étudier les fossiles par l'extraction d'ADN et retracer finalement l'histoire des forêts, l'histoire des arbres. Et au-delà de l'histoire des arbres, on peut également retracer du coup l'histoire de tous les organismes qui sont associés aux arbres. Donc les arbres et les forêts sont devenus des objets originaux de recherche qui sont aujourd'hui en pointe dans les sujets d'études. Et d'ailleurs, ça s'est également montré par nos publications. Quand moi je suis rentré en l'INRA, on publiait dans des revues presque confidentielles, très techniques, liées aux recherches forestières, exclusivement type Annale des sciences forestières, Revue forestière française. Aujourd'hui, les jeunes chercheurs qui rentrent à l'INRA, ils publient dans Nature, dans Science, dans les grandes revues. C'est dire si les arbres et les forêts sont devenus des objets importants en recherche. Alors l'ouvrage que vous avez coordonné, Forêt d'hier et de demain, c'est un ouvrage collectif qui a mobilisé une trentaine de collaborateurs. Alors à propos de Forêt de demain, j'ai envie de vous poser la question, comment voyez-vous précisément cette Forêt de demain avec les outils scientifiques et les avancées scientifiques qui ont été produites jusqu'ici ? Alors moi je pense que les forêts et les systèmes qui sont liés aux forêts, les systèmes forêt-bois en particulier, peuvent contribuer fortement aux engagements des États dans la lutte contre le changement climatique, donc à travers le stockage du carbone, la séquestration dans les produits bois, et puis tout ce qui est substitution à des matériaux qui consomment beaucoup d'énergie fossile. Donc les forêts sont amenées certainement à jouer un rôle très important d'atténuation du changement climatique. Il faut aussi qu'elles s'adaptent au changement climatique, et puis il faut qu'elles répondent à des besoins de plus en plus multiples, de sociétés de plus en plus urbaines. Donc les sociétés urbaines qui demandent des aménités pour aller se promener le week-end ou pour aller se ressourcer. Donc ces forêts répondent finalement à des enjeux, répondront à des enjeux multiples à travers des sylvicultures qui seront certainement modifiées pour faire face à des risques de plus en plus importants, des incertitudes liées au changement climatique, avec notamment des raccourcissements de rotation, donc des cycles forestiers sans doute un petit peu plus courts, des espèces plus diversifiées et des systèmes plus intégrés avec notamment les besoins industriels. Antoine Kremer, comment voyez-vous les forêts de demain ? Pour moi, les forêts de demain sont devant un défi considérable, autant au plan scientifique qu'au plan économique. En effet, quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, on a vu que les services demandés aux forêts se sont multipliés. Alors, quand moi je suis rentré à l'INRA, on demandait aux forêts de produire du bois et tout notre enseignement forestier a été fait en ce sens-là pour construire des forêts qui produisent du bois. Depuis, on demande aux forêts de participer à la protection des milieux, des dunes ou des sols. On leur demande
de conserver la biodiversité, on leur demande de stocker du carbone, on leur demande de répondre à la transition énergétique. Et donc, quand on regarde toutes ces fonctions, certaines sont antagonistes, en quelque sorte, dans un schéma de gestion. Et donc, je pense qu'à terme, il va falloir reconsidérer la gestion multifonctionnelle, qui est le dogme encore dans les forêts européennes. On demande globalement à toutes les forêts de répondre à tous ces services, et on ne pourra pas répondre de manière efficace si on maintient ce dogme multifonctionnel. À terme, peut-être qu'il faudra le reconsidérer et avoir des forêts peut-être qui produisent du bois, qui recompte fonction de presque des forêts industrielles qui répondent aux besoins de stocker du carbone et produire du bois, et d'autre part avoir des forêts de type sanctuaire qui, elles, conservent la biodiversité. La question est posée, je ne sais pas ce qui se passera dans l'avenir, mais c'est une vraie question qui sera posée à nos sociétés. Alors Michel Arbez, comment imaginez-vous les forêts demain ? Je voulais réagir par rapport à l'intervention d'Antoine Kremer concernant la spécialisation des territoires forestiers, qui va à l'encontre de la doctrine française de multifonctionnalité de la forêt. Je pense que derrière son questionnement, il y a un problème d'échelle de cette compartimentation. En d'autres termes, faut-il imaginer la persistance de grandes forêts industrielles, ou peut-on imaginer le voisinage, la cohabitation à échelle plus petite d'une forêt mélangée, multifonctionnelle, ouverte au public, et d'une forêt dont le principal objectif serait quand même la production de matières premières ligneuses. Bien, merci pour cet échange à l'occasion de la parution de l'ouvrage « Forêt d'hier et de demain » dans la collection « À la croisée des sciences » qui en est à son troisième ouvrage aux presses universitaires de Bordeaux. Merci.